Évoquer le Tax Institute est pour moi une tâche très agréable. En effet, c'est l'occasion de mettre en évidence ce qui, à mon sens, fait le sens de l'université. Travailler l'interdisciplinaire, jeter des ponts entre des facultés, en l'occurrence HEC École de Gestion et Faculté de Droit, afin ensemble de fédérer des énergies dans des domaines de compétences différents pour des projets de recherche et d'enseignement commun. Je soulignerai aussi les racines anciennes de notre collaboration qui, grâce au Tax Institute, vont être rendues beaucoup plus visibles encore dans le futur, au plan national, au plan international. On constitue ensemble une équipe de plus de 60 membres associés aux activités du Tax Institute. Et ça, c'est très enthousiasmant. Je voulais vous parler du Tax Institute parce que vous êtes des étudiants en droit fiscal. J'espère que certains ont pris goût à cette matière sans nécessairement vouloir la poursuivre, mais c'est une matière évidemment qui révèle un certain état de la société. L'objectif de cet institut de fiscalité consiste principalement en un mot, le rassemblement. Il s'agit de rassembler toutes les personnes qui, au sein de l'Université de Liège, s'intéressent directement ou indirectement au phénomène de la fiscalité d'une part et à celui des finances publiques d'autre part. Et donc nous voulons rassembler des juristes, des économistes, des gestionnaires, mais aussi peut-être des historiens, peut-être des philosophes, peut-être des psychologues, afin d'étudier de la manière la plus optimale ces phénomènes qui se prêtent justement à ces études pluridisciplinaires. D'une part, il y a le pan pratique, c'est-à-dire il y a notamment aussi l'enseignement dans le master complémentaire en droit fiscal, donc qui est plutôt axé sur la pratique, donc avec des praticiens qui interviennent. Mais il y a aussi la recherche au niveau de systèmes fiscaux, et donc notamment la réflexion sur le pourquoi et comment un système fiscal est organisé comme il est. L'un des objectifs s'adresse évidemment directement à vous, c'est d'améliorer l'enseignement, d'enseigner le droit fiscal ou le droit des finances publiques, ou d'enseigner la matière fiscale, la matière des finances publiques, d'une manière qui colle davantage à la réalité, de manière moins académique, diront certains. L'Institut de fiscalité traduit aussi l'ouverture de l'université vers la pratique. Nous comptons entretenir de très nombreux contacts avec d'autres universités, avec des mandataires publics, mais aussi avec le secteur privé, des cabinets d'avocats, mais aussi des entreprises de consultance. Il est clair que lorsque l'on replace la fiscalité dans le cadre sociétal général, on ne peut se contenter de travailler avec des juristes. Et la capacité d'amener une analyse macroéconomique approfondie au sein du Tax Institute est un complément indispensable pour ce type de débat. Un autre objectif qui s'adresse à vous est de promouvoir la recherche, que certains rejoignent l'équipe des chercheurs en fiscalité ou en finances publiques, que certains même, c'est un gros mot, se lancent dans un doctorat peut-être en droit fiscal. L'analyse économique au niveau du Tax Institute est une recherche en fait plutôt appliquée, donc on utilise les données, notamment des données fiscales, mais aussi des données d'établissement de protection sociale, pour essayer d'analyser des relations entre structure du système et résultats. Nous avons une histoire où le droit fiscal est créé par des juristes qui réfléchissent à certains sujets et par des fonctionnaires qui réfléchissent à certains problèmes. Je pense que la capacité d'amener une coupole macroéconomique sur ce type de débat pourrait être un atout fondamental du Tax Institute, combinant une faculté de droit avec des études économiques.
Un des objectifs importants de l'Institut de fiscalité est de développer la recherche sur le plan international. Nous devons devenir un centre de recherche reconnu par la communauté internationale. Nous devons pouvoir accueillir des chercheurs étrangers et envoyer nos propres chercheurs dans les meilleures institutions avec lesquelles nous développons et nous renforçons des liens déjà existants. Dans ce cadre, nous comptons également offrir aux investisseurs belges un soutien pour les aider à développer leurs activités à l'étranger. Et nous comptons, par exemple, organiser des colloques sur les aspects fiscaux des investissements dans des pays comme la Chine, le Brésil ou encore le Congo. Qui bénéficiera de ce Tax Institute? Mais d'abord et avant tout les étudiants qui profiteront dans leurs enseignements des résultats de nos recherches. Les chercheurs ou les potentiels chercheurs qui trouveront dans ce Tax Institute l'environnement adéquat pour la réalisation de belles recherches doctorales. La pratique, nous espérons qu'elle profitera des inputs que nous leur apporterons dans le cadre de nos recherches et puis de manière plus générale l'Université de Liège dont la visibilité, je l'espère, s'accroîtra.